polosa et simba lisute pour ma comme na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut place no always at sous te ah oyoki allez quitter polosa on na ba cha mali na kale na lomo na ke kuna na ke kuna là va on nous on la range na comment OK ah vraiment. Qui savent pas. Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Je suis ok. Mon sala est commis partout. Tu mm-hmm. Tout comme commis en Suède, tout comme commis à Paris, tout comme commis à Lille, tout comme commis à Bruxelles. Et puis, base de la vie suédoise est toujours Londres, mm-hmm. Angleterre. Ils sont en dynamique Congo. Deux ans pour avancer dans le colo. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, le grognon bat Lukwebo, chef des gangs. On va lire le satirique, qu'est-ce qu'il en pense. Il dit ceci. Comment faire pour nourrir une progéniture dénombrée à 54 rejetons et acquis dans un désordre conjugal à donner des vertiges si l'on ne sort pas la grosse artillerie. De toutes les façons, tout le monde savait que mon seigneur Al Capone est dans les enfers. Il est ainsi le patron exclusif du groupe Taverne. Ce que les gens ne savaient pas, en revanche, c'est que derrière les verres conférant une apparence inoffensive au prétendu professeur Malchance Lukwebo, se cache un dangereux prédateur qui terriblement sévit sur le terrain. Le grognon est tombé sur un dossier corsé qu'il vous fait part, je crois, par le bon de commande qu'il vous propose, pardon, en primeur ci-dessous. Par le bon de commande NR001-03-16, le groupe Taverne passe la commande de globale de 30 000 tonnes de ciment à la Société Africaine Distribution Station et Corporation, je crois, ADS Eco, dirigé par M. Agano et Lemba Joseph Trésor. Le montant global de la transaction fut de 5 580 000 dollars. Le groupe Taverne a décaissé un acompte de 2 millions pour livraison de la moitié de la commande initiale, soit 15 000 tonnes de ciment. ADS et Co. exécutent la commande en fait et fait arriver au pays 15 000 tonnes convenues. Mais la partie Taverne estime qu'il a le retard dans l'exécution de la commande. Il renonce sa commande et exige la restitution de son fafio. À l'amiable, les deux parties conviennent que ADS et Co. va se charger de revendre le ciment parvenu au pays, qu'un compte séquestre sera ouvert au niveau de Procrédit Banque et au fur et à mesure l'écoulement du produit, le fonds engagé seront reversés sur le compte du groupe Taverne jusqu'à épuisement total de la créance frappée du taux d'intérêt de 6%. Les deux parties en étaient à l'exécution de cette nouvelle clause conclue de bonne foi lorsque la partie Taverne a sorti ses cornes. Sous instigation directe et personnelle du seigneur Al Capone, le DG ADS et Co. s'est accueilli au niveau du casier judiciaire, accusé d'être servi du magot de Malchance Lukwebo pour non se procurer 15 000 tonnes de ciment, mais bien pour en obtenir un peu plus de 26 000. S'étant valablement défendu devant le juge, M. Aganou Elemba est remis en liberté provisoire, ainsi qu'en témoigne l'ordonnance des mises en liberté provisoire du 30 novembre 2016. Quatre jours après son arrestation, Agamo retrouve l'air libre. Mais son calvaire ne faisait que commencer. Quelques jours après, il est convoqué par l'ANR. Il n'y est pas conduit de force. Il se présente librement à l'agence, ne se réprochant de rien. Ce fut sa plus grosse erreur. Il fut mis aux frais 9 mois d'Iran. Pendant ce temps, Malchance mit son plan en exécution. Il se saisit unilatéralement du CIMA, le verdict sans état d'âme, et récupérera tout son blé assorti des pénalités. Mais au lieu de se contenter de ce qui lui revenait, le gang a soufflé tout le blé généré, soit un surplus de 3 millions de dollars.
Sorti de prison, Agano se bat pour se faire entendre raison aux prédateurs. Et en entendant le dénouement de cet enfer, il est important pour les Congolais en général et les sénateurs en particulier de découvrir un chef des gangs veut prendre la tête de la plus prestigieuse chambre du Parlement, avec possibilité certaine d'assumer l'intérim du chef de l'État sous tout sauf cauchemar. Vous voyez, mesdames et messieurs, l'information, elle circule depuis un bon bout de temps sur Internet, mais là, vous avez vu comment le journaliste a pris la position. Et c'est ce qui est, à mon avis, malheureux et malhonnête un peu aussi. Malhonnête, vraiment. Quand on dit que lui, il ne peut pas être procureur, il ne peut pas être président du Sénat parce qu'il est impliqué dans des histoires de ciment, mais on laisse à ce Sénat-là, à celui qui est suspecté d'avoir été à la base de la mort de plusieurs personnes. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Tout ça, c'est simplement parce qu'on se dit il faut démolir quelqu'un ou il faut trouver de l'argent à donner à quelqu'un. Et c'est là le plus grand mal. C'est un journaliste comme moi, mais j'ai honte à la place des gens pareils. Moi, j'ai honte finalement. Je me pose la question, comment je fais? Je me lève le matin chez moi, je me lave, et je viens à la télévision pour prendre position d'un homme parce qu'il m'a donné l'argent. Je ne comprends pas. Je ne sais pas imaginer ce type de choses. Et c'est très mal, de tous les deux côtés. Si M. Batulukwebo se reproche de quelque chose en ce qui concerne les ciments, eh bien ça va être désastreux parce que quand on est ministre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et surtout pas à des civils et à des gens pour qui on est censé travailler. C'est quand même contradictoire. Mais en même temps, il est aussi malsain, il est aussi malheureux d'affirmer des choses dont on n'a vraiment pas les preuves. Et surtout quand on n'a pas entendu un autre son de cloche. J'aurais aimé que le journal nous dise quelle est la démarche qu'il a eu à faire pour rencontrer M. Batulukwebo et entendre son deuxième son de cloche. Et surtout, toutes les informations qu'on doit dire ici doivent être dites conditionnelles. Parce que ça engage la personnalité pénale de ces gens. Malheureusement, on est au Congo, tout est permis. Quand on va vouloir l'intéresser pour l'écouter, l'auditionner, à Roleba, oh non, et la liberté de l'expression, Bakangiango. Liberté de l'expression, c'est d'affirmer des grossièretés comme ça. Il faut moraliser notre société. Mesdames et messieurs, le scénario AFDC-FCC, la maison brûle. Vous savez, nous avons deux types de politiciens au Congo. Les politiciens qui pensent que M. Kabila n'est pas encore parti, ce sont des gens qui se comportent comme si M. Kabila est encore président. Ou au fond d'eux, ils ont encore un espoir que peut-être un jour, M. Kabila reviendra. Mais nous avons prouvé suffisamment, et nous continuons à le prouver suffisamment, que M. Kabila ne peut pas revenir président de la République, il ne peut pas être ministre, il ne peut pas être bourgmestre, il ne peut pas être membre du gouvernement, il ne peut pas non plus être président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas. Toute sa vie, monsieur restera sénateur. Toute sa vie. Il ne peut pas renoncer à cela. Il ne peut pas redevenir président de la République. Il ne peut pas participer à une élection élective. Il ne peut pas. Disons qu'est-ce que je dis. À un mandat électif. Il ne peut pas. Parce qu'il est sénateur à vie, ça s'arrête là. On a prouvé suffisamment que l'article 104 de la Constitution était clair et que l'article 220 était aussi clair. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas, on ne peut plus s'imaginer. Mais peu importe, il y en a qui sont encore dans leur tête, M. Kabila va revenir. Même lorsque ce dernier ne présente plus d'ambition pour redevenir président de la République. Mais pour plusieurs, il doit être là. Et donc, vous avez ça d'un côté. Et d'un autre côté, des gens qui se réveillent maintenant, qui comprennent que M. Kabila n'est pas un dieu, c'est un homme. Il est faillible, il a lui aussi des mauvaises appréciations, il a aussi des mauvaises lectures, et parfois il faut prendre son autonomie. Il y a des gens qui se réveillent maintenant. Mais malheureusement, ils se réveillent après avoir été impliqués dans plusieurs choses dans le temps. Je dois vous garantir ici, le jour où on aura un état de droit, ça sera d'abord ceux qui ont travaillé avec M. Kabila, ou peut-être avec M. Mobutu, ou peut-être avec M. Kabila le père, qui seront aux arrêts. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de corruption, beaucoup de biens mal acquis. Pendant 59 ans, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui habitent dans les maisons de l'État. Et ils en ont fait des propriétés privées. Alors quand vous avez un état de droit, ça veut dire récupérer tous ces biens-là et les placer dans le domaine public de l'État, mais vous aurez des problèmes. Et toutes ces personnes-là ne comprennent pas, ils ne s'imaginent pas un état de droit, l'instauration d'un état de droit. Ils ne s'estiment pas comme ça parce qu'ils savent que c'est eux qui feront des victimes en premier. Et donc, ils se battent pour construire ça, pour consolider cela. Ils font des cauchemars quand on leur dit
que le ministère de la justice et que vous n'allez pas la binoter. Ils sont en train de pleurer. Il y en a qui font des jeûnes et prières. Il y en a même qui vont aller voir les féticheurs. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tizoua Tikanios, mais sécurité T. Tikanios, mais justice T. Parce qu'ils savent que quand on aura un ministre de justice, comme le professeur Mbata, comme le professeur Jack Njoli, comme le professeur je vais dire Tony Mouaba, et les autres professeurs, quand on les aura comme ministre de justice dans ce pays, mes frères, croyez-moi sur parole, beaucoup de choses vont changer. Et c'est là que vous entendrez des choses. C'est là que vous allez voir Moutadaki n'a 15 parcelles, Atrel dans le cas 12, Atrel dans le cas 3. En tout cas, il y a 4. Parce que beaucoup de parcelles ont été prises dans le bateau. Si les gens ont été prises dans le bateau, place dans le bateau, dans le domaine, dans le miné, dans la construction, dans la ville, dans le bateau, et ça, il y a des maisons de gens. Si les gens ont été prises dans le bateau, le ministre Moka Botola, le général Moka Botola, le mouvancier Moka Botola. Combien de fois on a fait pleurer les grands frères? Il y a Gabi, Vemok. Mais le vieux a pleuré dans toutes ces. Dans la langue, dans l'ignorance. Parce que le pango, il y a comme si il y a. Alors, maintenant, quand vous voulez instaurer un état de droit, ça veut dire que chacun d'entre vous a dans l'année qu'on a yemoko, pour moi, une difficulté, il y a des gens qui ne survivront pas. Il y a des gens qui ne survivront pas. Alors, le FCC, et là qui parti Oyo, ta famille politique Oyo, ce parti, c'était arroger le droit des vies et des morts sur des gens. Vous entendez tout le monde dire je suis l'ami du président, je suis le frère du président. Je suis du parti, je suis ministre, je suis tel, je suis tel. Et au nom de ce pouvoir que le peuple vous confère, ces gens ont fait des choses et des choses. Pas tous peut-être, mais la majorité. Ces personnes ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans les détournements, dans les spoliations, dans les arrestations arbitraires. Vous comprenez un peu? Dans les détournements des deniers publics et dans la consolidation de la dictature. C'est des gens qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans des histoires les plus monstrueuses, les plus sales. Alors quand on veut avoir un état de droit, ça veut dire qu'eux seront menacés. Eux seront dérangés. Ils ne pourront plus tenir longtemps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous avez deux choix. Ou vous restez avec le président, votre président, éternellement. Parce que si vous partez, il brandit vos histoires. Si vous restez, il vous protège. Le prix à payer, maintenant, c'est ça. En fait, c'était aussi un piège. Et M. Kabila a été, je ne sais pas, mais je crois, extrêmement sage. Peut-être malin, je veux dire malin. Extrêmement malin. Regardez, il a impliqué tout le monde dans son affaire de gestion. Et tout le monde qui est rentré dans le FCC est sorti petit, d'une manière ou d'une autre. Petit, surtout les opposants. Regardez ce qu'il fait. Nous sommes dans une situation, un jour, on est là, et nous voyons des signatures. Des pasteurs, des professeurs, des recteurs. Oh, ils ont signé l'acte du FCC. Bah, les gens ont été dénoncés. Ils ont été dénoncés. Ils ont été dénoncés. Ces mêmes personnes refusaient d'être Louba. Ils disaient que non, on est Congolais. Mais aujourd'hui, parce que c'est Félix Tshisekedi, ils reviennent avec une carte trop basse. C'est la carte, il y a tribu. Et Bélé, par exemple, Mound Kabundi. Mais l'élo va changer. Et comme Kabundi, Mound. C'est-à-dire Mound, ils ont une Nassima, Kabundi et Liboso, parce qu'il faut se faire sonner tonalité, il y a tribalisme pour que Batou, bah, tombe, les faibles d'esprit, bah, tombe dans le bah, ah, ça c'est notre frère, ça c'est notre frère. Et à l'époque, c'était comme ça. Les mêmes personnes qui chantaient pour M. Kabila sont pratiquement les mêmes personnes qui commencent à chanter pour Félix aujourd'hui. Ils commencent à négocier leur conversion, malem et malem. La plus pasteur, tout le monde a qui bango. Et donc, M. Kabila voulait montrer aux Congolais que je ne suis pas le seul à avoir échoué. On a échoué ensemble. Nanani, nabato, tout. Ma kota qui est FCC. Tous ceux qui étaient dans le FCC ont cautionné les 18 ans perdus. Ils n'ont que la gloire, la réussite du FCC dans leur tête. Mais dans la vie des Congolais de tous les jours, on sait que rien n'a changé. Lélo la Kinshasa, batou, mokomi kotambo, on a mis tout cas deux personnes. C'est même pas parce que Félix est là. C'était bien avant déjà, M. Félix Antoine Koyawara. On est dans un pays où les motards, ta moto, respectent le code de la route. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est vraiment pendant les 18 ans.
Pendant 18 ans, il y a certains mois, quand Mobutu était là, quand Mobutu était là, moto était dans la ville. Il n'y avait pas de moto comme ça. Il n'y en avait pas. Les gens ne se plaignaient pas pour le transport. Mais parce que la démographie n'a pas été maîtrisée par le régime de M. Kabila, parce que l'économie n'a pas été maîtrisée dans le régime de Kabila, la pauvreté a été beaucoup plus forte, que la pauvreté a poussé à des milliers et milliers de personnes de quitter leur province, de venir en ville. Et quand ils viennent en ville, la conséquence c'est que l'exode rural crée des quartiers spontanés, des villes spontanées, un taux de natalité qui n'est pas maîtrisé, un chiffre qui galope, alors on ne sait plus rien. Aujourd'hui, à Kin, si vous allez au Congo, vous demandez les nombres de jeunes filles qui ont mis au monde. Bah, ma fille mère, mais ce chiffre a triplé, a quadruplé aujourd'hui. Allez dans des coins, au moins, que jeune fille, moko, à Botamia dans la Jinine, elle a 18 ans. Jeune fille, on a 18 ans. Madame, elle a 4. Mais on a des jeunes filles, il y a Kabila, non? Il est né dans quelle période? Il est né dans la période de Nen. Il est né dans la période où la famille n'avait plus de sens. Il est né dans la période où les papas ne pouvaient plus travailler, maman ne sait plus travailler. Il est né dans la période où l'administration publique a été bafouée totalement. Ces enfants sont nés dans la staticité, disons dans la statocité, ça veut dire l'assassinat d'un État. Et ces enfants naissent dans ces conditions-là. Aujourd'hui, si vous allez voir le taux de mortalité, le taux de natalité, il y a bana. Allez voir là-bas, Kanduka. Bon, qui est là-bas, côté bas, 13 ans. Ah, là-bas, ami, balé, abota deux fois. Moi, on a 13 ans. Pas d'instruction, pas d'éducation. Nous avons été au Katanga. Vous avez vu les images? On vous a montré une petite fille de 14 ans qui a déjà des enfants. Avant, elle était mon amoko, mon amsous. Je lui ai posé la question. Aoussoma que Joanine. Et la fille me dit, si la frangue, si la frangue, nanyanitouma koumasoum. Un peu pour dire, vous n'étudiez pas pourquoi. Et la fille vous dit, je n'ai pas d'argent, qui va m'envoyer à l'école? Et donc, son école, c'est la sexualité. Son diplôme, ce sont les enfants. Est-ce que vous imaginez un peu tout ça? Alors, donc, quand on a participé à cette histoire-là, ah, monsieur Kabila a dit non, je ne partirai pas seul, je n'aurai pas l'opprobre du peuple seul, partageons. Dans la conférence, dans la réunion, il y a FCC, on a obligé tout le monde d'être là. Et vous avez vu, pour la première fois, on a un soldat, dans la partie politique, il y a la banga. J'ai vu un général là-bas. Ma PCP titre, FCC, militaire, on dit, alors, je suis en train de rêver ou quoi? C'est là le pays qu'on a finalement créé. Et donc, vous avez vu que aujourd'hui la FDC s'est dit, je ne peux plus continuer. Monsieur Bati Lukwebo, il le dit à qui veut l'entendre, qu'il se passe une dictature terrible dans la FCC. Mesdames et messieurs, que ce soit le FCC, que ce soit Cash, que ce soit la Mouka, aucun parti au Congo n'a déjà organisé les primaires pour désigner ses dirigeants. En tout cas, il faut un micro ça. Aucun. Ils font des simulacres d'élections qui portent leur leader dans le sommet. Mais des gens qui gagnent des élections avant même d'y participer. Est-ce que vous imaginez ça? Déjà, même les termes de la démocratie, on ne le sent pas. Déjà, dans les partis politiques, il n'y a pas de primaires. Les modèles de désignation, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Attendez 10 secondes. Le PPRD nomme qu'il veut, où il veut, s'il veut. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'élection. Ils disent consensus, mais nous savons tous que ça n'a rien à voir avec le consensus. C'est la volonté du président Kabila. Quand le président Kabila veut ça, et ça l'est mis bongo. Ainsi dit Jéhovah, ainsi dit Yahweh. C'est comme ça. Et plus rien ne va changer. Nous avons vu ça dans plusieurs parties. Je ne parle pas que du PPRD, même à l'UDPS, partout. Même à l'UDPS, regardez la nomination de M. Kabuya. Une nomination contredite, une nomination extrêmement dangereuse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On y est. La vérité, c'est que nous n'avons pas des partis politiques au Congo. Nous avons des établissements politiques, des groupes d'individus, des groupes d'amis qui se retrouvent autour des hommes, pas autour des idées ou pas autour des idéologies. Et ça crée quoi finalement? Mais ça crée tout ce que nous avons aujourd'hui. Ça crée des mauvais gestionnaires, ça crée des gens indisciplinés, ça crée des gens qui n'ont pas de vision, ça crée des gens qui viennent élever les hommes et pas les idées. Ceux qui courent autour de M. Kabila, vous leur posez la question, quelle est l'idéologie que vous suivez? Ils disent non, nous c'est notre autorité morale. L'autorité morale ce n'est pas une idée. L'autorité morale c'est un titre. Et un titre que vous avez vous-même fabriqué par votre ignorance, vous le fabriquez. Mais dites-moi, c'est quoi votre but là-bas? Rien du tout. Et vous imaginez des gens comme ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est comme ça qu'on veut créer, on veut construire notre pays. Lorsque nous faisons la dialectique politique, vous allez vous rendre compte que il faut considérer le fait que M. Kabila n'est plus président et que vous devez faire avec les lois qui sont aujourd'hui au pays. Malheureusement, vous êtes tombé sur... Il y a des gens qui... Vous avez la chance d'avoir un démocrate qui est au pouvoir et vous acceptez ses méthodes. Mais sincèrement, si c'était moi, en tout cas, on n'allait pas aller dans ces conditions-là. On ne serait pas là aujourd'hui.
Parce qu'on allait appliquer les méthodes que vous comprenez le mieux. Et généralement, la méthode que les gens comprennent, c'est la méthode un peu de brutalité. Un peu de brutalité. Mais il faut dire encore, est-ce que vous avez les moyens? Ah bien, quand on est président de la République, les moyens, on l'a toujours. Hein. Le moyen, on l'a toujours. Je vais vous dire un élément. Regardez le temps de l'esclavage. Ça a duré beaucoup plus de temps que possible. L'esclavage a duré beaucoup plus de temps. Et puis après, nos ancêtres, certains esprits éclairés, ont dit qu'il fallait arrêter ça. On a arrêté l'esclavage. La colonisation vient. C'est une forme d'esclavage, mais maintenant civilisée. Parce que la colonisation, c'était l'esclavage civilisé. Alors que l'esclavage, c'était une colonisation barbare. Et maintenant, on civilise l'esclavage. Ça devient la colonisation. Ils nous prennent encore beaucoup plus de temps que possible. Mais à ce moment-là, ce n'est plus les Blancs, c'est nous-mêmes. C'est le peuple congolais, le peuple africain. On dit non. Il y en a qui ont négocié leur indépendance, comme notre cas. Il y en a qui l'ont arraché complètement. Et donc, nous avons fait. Vous allez voir que le temps qu'a duré la colonisation, ce n'est pas le même temps qu'avait duré l'esclavage. L'esclavage avait beaucoup plus de temps. Et la colonisation n'a pas eu plus de temps que ça. Après la colonisation, c'est maintenant la dictature. Nous avions eu une tentative de démocratie à l'époque. Déjà en 1960, nous naissons avec plus de 5 partis politiques. Déjà plus de 5 partis politiques. Nous participons à une élection, une bonne élection d'ailleurs. Et puis après le coup d'État, M. Mobutu va suspendre la République, il va suspendre la Constitution, il va suspendre toutes les institutions et il va en créer Bayo Ayemoko. Il nous impose un style. Alors là, nous commençons l'époque de la dictature, qui nous prend pratiquement 32 ans avec une bonne transition au Totakinango. Mais le problème est à quel niveau? Le vrai problème, c'est que la dictature prend 32 ans alors que la colonisation avait pris plus de 80 ans. La colonisation, l'esclavage avait pris plus d'un siècle. Est-ce que vous imaginez? Donc, on voit que toujours qu'un dévers qu'on décompressait va pouvoir en haut. Et quitte. Alors, Tokomine à 2096, Tozui, transition. Parce que la vraie transition a commencé en 89 ou 88, selon certaines personnes. 88, transition et bandit koyo à Kobanda. Na vent wana, tout ça yaki. Mais tu m'as dit quand même, na moi, ndambu ya vent. Il y a cause à la démocratie. Monsieur Mobutu suspend sa dictature formelle le 24 avril. À suspendre sa dictature formelle. Mais il va insérer une autre dictature, c'est-à-dire la cohabitation n'a semblant la démocratie très 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 fragile, mal présentée, mal comptée, mal exprimée, mal conçue, Bayenango, n'a une dictature formelle des habitudes et comment qu'on dirait tradition, Yabato. Alors, donc, on va cohabiter. Il y aura une sorte de cohabitation entre la dictato-démocratie ou la démocratie dictatoriale. On met ça ensemble. Et jusqu'en 96. 96, quand M. Laurent-Désiré Kabila arrive, eh bien, lui aussi, à son tour, il imprime un autre système beaucoup plus ambigu. La participation collective dans la gestion de tous les jours, mais avec une dose de la dictature. En ce moment-là, la démocratie souffre. Elle est maigrichonne. La démocratie souffre du kwashiorkor, elle est mal nutrie, elle est mal vêtue, elle est mal préparée. Et donc, c'est à l'image d'une jeune fille qui n'a pas été à l'école, qui n'est pas instruite. Et nous avons donc une démocratie dévergondée, que l'on n'a pas su embellir, rationaliser à l'époque de M. Kabila. M. Kabila va nous faire entrer dans comme son pouvoir était venu de nulle part, ni dans la Constitution, ni dans les règlements, rien du tout, on a eu ce qu'on appelle une république impériale ou une république monarchique. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous avez les attributs d'une république parce que vous avez les institutions et la république proclame les trois valeurs de Montesquieu. Mais en réalité, ce n'était vraiment pas ça parce que le président est un prince. Pour la première fois de notre vie, nous ayons un président qui est prince. Il est le fils du président. Et le fils du président, il a été nommé à titre posthume, dont la lettre n'a pas été contresignée. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais bon, il est là, il se retrouve, c'est le prince président. Il devient prince en même temps président. Et il va nous amener une dictature militaire. Cette dictature militaire, il est président, il est militaire, il va être contraint à désarmer, à arrêter d'être général d'état-major, après, quand il est déjà président de la République, plusieurs années après. Vous comprenez un peu le problème là d'où nous venons? Mais les gens n'ont pas compris que tout ce temps-là ne faisait que diminuer les pouvoirs de M. Kabila petit à petit jusqu'à ce qu'il va lâcher le pouvoir.
S'il ne l'a pas cédé, il a lâché. Parce qu'il ne pouvait plus tenir longtemps. Il a lâché. Parce que c'est dans la dialectique. L'histoire est têtue. Mobutu a fait 32 ans. Je le disais à l'époque. Je disais, personne ne pourra faire encore 20 ans au pouvoir au Congo. Personne ne fera plus de 20 ans. Ça ne se passera pas. Les gens disaient, non, Kabila va le faire. On est où? 18 ans. Ça, c'est fini. Ça s'est arrêté. Je peux vous dire aujourd'hui, gardez la vidéo. Aucun homme au Congo ne fera encore 11 ans au pouvoir. Aucun. Je peux dire peut-être non, disons plus de 2 mandats. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Personne ne va faire 15 ans au pouvoir. Ça n'existera plus au Congo. Si il n'y a pas de coup, il y a 15 ans qu'on a la sauté. Le président Félix, s'il a la chance, il va faire 2 mandats. Et puis ça sera fini. Quelqu'un d'autre viendra faire, par exemple, 2 mandats. Et nous allons vers le point où quelqu'un peut faire un mandat, élire, il peut sauter et puis de continuer. Ainsi va la République. Nous sommes en train d'aller dans une sorte de normalisation, mais que les gens ne comprennent pas parce qu'il y a des habitudes qui sont liées à Nabisso. On continue encore à croire que bon, rien n'a changé, tout est encore là. C'est normal que les gens sentent encore la force de M. Kabila aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment normal parce que quand on a géré pendant 18 ans, ce n'est pas dans si peu de temps qu'on enlève les gens dans la tête. C'est comme ça. On est encore eux. Mais ça, nous comme on a eu un président de la Rangéline. On n'en a pas encore. Mais dans ce qui concerne M. Batiloukouébou, qu'est-ce qui va lui arriver comme il décide de ne pas retirer sa candidature? D'abord, il faut dire que M. Bati n'a pas déposé sa candidature formellement. Il n'y a pas une demande, un dépôt de candidature formelle. Sa déclaration, il y a candidature, vous allez qui? Verbale. Il a dit qu'il allait postuler. Mais on le sanctionne aujourd'hui alors qu'il ne sait pas, il n'y a pas un acte formel de sa candidature. Mais vous avez M. Lokondo qui avait postulé de façon formelle. Lui n'a pas été inquiété, il n'a pas été suspendu. Mais c'est M. Batiloukouébo, lui qui est menacé. En réalité, c'est quoi ce fait? C'est que pour dire aux gens, M. Kabila sait que M. Batiloukouébo, vous êtes sa fabrication. Il le sait. Il le sait. Donc vous ne l'embêtez pas, vous ne l'inquiétez pas. Lui, il a encore les modèles de votre construction. Il sait où, par où toucher pour que vous ayez très mal. Et rien n'est garanti qu'il peut, il peut débaucher vos députés. Vous avez vu déjà, une bonne partie de vos députés sont allés déjà dire « Non, nous réitérons notre confiance au chef de l'État, pardon, à l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale. » Un autre groupe dit aussi « C'est à vous, tout ça. » Mais vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même pas le pouvoir de retirer le mandat à ces gens-là. Vous n'aurez pas ce pouvoir-là. Parce que pour retirer ces gens le pouvoir, il faut faire participer la justice, la CENI dans tout ça. Vous n'avez plus le moyen de le faire. Voyez-vous? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit intelligent dans ce qu'on a fait. Quand on a travaillé avec, à construire un État, pas de droit, mais un État qui doit à des hommes, quand on a travaillé pour la consolidation de la dictature et surtout la sublimation des hommes, eh bien on paye le prix. Aujourd'hui, ce dossier qui apparaît n'est qu'un petit dossier qui cache les autres. Monsieur Batiloukouébou, vous pouvez me croire. Il y aura des très grandes révélations qui vont se faire sur vous. Des très grandes révélations. Lesquelles vous ne saurez même pas dire. Parce qu'en réalité, la première victime, il y a système, il y a Mabé, et il y a Rabato Basala Kiango. Pourquoi Rabato Basala Rabana Laboratoire? Mais ce sont les machines qu'ils ont créées qui les broient les mains. Ce sont les machines qui les créent qui les broient les mains. Motosala courant, ça c'est un adage hein, qu'on dit toujours. Motosala courant, Mtebumaï. C'est pas vrai, mais c'est un adage qu'on dit tous les jours. C'est pour dire que nous devons être conséquents dans tous les actes que nous posons. Moi j'interpelle le frère et sœur du FCC. Vous avez intérêt que ce pays marche. Vous avez intérêt que ce pays évolue. Parce que si ce pays n'évolue pas, c'est vrai que le président Félix aura la plus grande responsabilité, mais le peuple sait que c'est vous qui bloquez tout. Aujourd'hui, on le sait. Parce que vous, quand vous étiez dans la coalition avec M. Mozuto, qui avait aussi une forte majorité, il ne vous a pas imposé vous n'avez pas partagé les postes, les ministères régaliens. Non. Non. À qui vous aviez donné la justice? C'était à vous-même, les affaires étrangères. Les finances, l'armée, la défense, c'était à vous-même. Alors pourquoi vous voulez partager avec les autres dans la coalition? C'est dans la même situation.
Le PPRD n'était pas si majoritaire à l'époque. Vous étiez des gens, vous aviez beaucoup de députés, mais vous avez besoin des autres. Mais pourquoi ces autres-là ne vous avaient pas demandé autant que vous demandez aujourd'hui à l'autre? Donc il y a une question de décence, une question de bon sens, et une question de placer les intérêts de l'État. Si on arrive à le faire, on changera beaucoup de choses. Si on n'arrive pas à le faire, eh bien on va dire au revoir à notre cher beau pays que l'on veut et que l'on aime et que l'on veut voir et qui est bien. Donc voilà, donc, il faut parler de M. Alexis Thambo Mwamba qui continue à être secrétaire et maintenu. Il y a M. Bouchab, il y a M. Je vous lirai la liste, il y a Batouana, Obazawana pour définir Yango. Mesdames et messieurs, ce n'est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Vous avez compris que je ne suis pas dans toutes mes formes, parce que là, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai la grippe qui m'embête, vraiment qui m'embête. Et ça m'empêche de... D'abord, ça me creuse la gorge, et puis voilà. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve dans la troisième partie. Il y a probablement risque de ne pas avoir un direct avec cet état. Peut-être pas. On se retrouve dans la troisième partie. Portez-vous bien, puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas pour ça. Et si malisouté, pour moi comme n'importe qui, patron va travailler dans Zambie. En tout cas, bah si ma que musique. Donc là va, y a pas mission à se faire. Aux autres sont comme il faut. Place nous à où ils allent sous-souter. Ah? Oya qui? Allez, quittez. Polosa, on est là pour chercher ma carte. Na l'homme na kekuna, na kekuna. Là va. Ah? On nous a mis dans la range là. Comment vous qu'êtes? Ah ouais. Nous on est mis quatre. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout en Europe, dynamique, Congo, commis partout en Europe. Maman Coquette, ça est commis sur partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Puisque la dynamique Congo, tous avons avancé dans le colo.